Nous allons voir maintenant la création de la herse de la seconde partie du quart tournant. Je vais réaliser de la même façon, donc avant toute chose, je vais réduire la longueur de la foulée, donc avec la touche 7 de mon clavier, donc la 7, L pour l'assaut, je vais réduire ces deux points, Y puisque je remonte ces deux points, voilà, avant j'étais à 170, je suis passé à 153 grâce à mon calcul. Je supprime la cote 170. Voilà. Alors, de la même façon, sur l'ordinateur, je viens prendre les petits segments. Donc, avec la touche L, clic gauche ici. Clic gauche au point de rencontre entre le cercle et la ligne de foulée. Clic gauche, pardon, j'ai un peu trop zoomé. Entre ces deux points. Clic gauche ici. Clic gauche jusqu'à ma ligne médiane. Et j'obtiens mes petits segments permettant de me tracer ma herse d'escalier. Deuxième partie d'escalier. Je la déplace 5. Alors là, je suis en vertical. Je peux la laisser en vertical, il n'y a pas de souci. Hein, ça marche, les herses fonctionnent dans les deux sens. Il faut juste pas se tromper. Je viens ici chercher couper, exploser pour pouvoir remettre droit tous les segments. Je viens sélectionner ce petit segment avec le point actif ici sur la partie basse, 4Y, hop, 4Y, je le déplace, je le mets là, et vous avez tous les petits segments constituant ma ligne de foulée de mon deuxième quart tournant. Il me manque la droite intérieure, l'intérieur de mon escalier, hop, je la sélectionne ici et ici, je la déplace, 5 haut pour faire une rotation 90 degrés, je la mets ici, je n'ai plus qu'à tracer, tac, de là à là, tac, 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 je sors de mon menu ligne, j'appuie sur la touche 0, je viens chercher cet élément, je viens chercher ce point, ah, autant pour moi, je me suis trompé, c'est celui-ci, de là à là, voilà, puisque c'est bien l'intérieur qu'on vient chercher. Je trace un trait avec la touche L de là à là. Et je viens chercher les petits points. Tac, 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 tac. Hop. Cette droite, je la mets ici. Je la copie ici. D'accord. Ou je la j'ai déplacé, donc je vais la copier avec la touche 6. 5 déplacer, 6 copier. Hop. Je la sélectionne avec mon qu'elle soit active en pointillé. Vous voyez comme ceci, rose et en pointillé. 4Y, celle-là. Remets droite, je la déplace sur mon axe et j'obtiens mes points permettant de tracer, d'accord, de tracer mes marches d'escalier. Alors je vois qu'il y a un point ici, donc c'est peut-être, à mon avis, c'est le point de la côte. Donc la pote, je vais avec la touche étoile, je vais simplement la masquer. L, clic gauche, clic gauche. L, clic gauche, clic gauche. Clic droit pour sortir, L, clic gauche, clic droit pour sortir. Je sélectionne ici avec le point actif 7, S, hop, 7, S, clac, 7, S, clac. J'ai prolongé mes droites formant mon escalier, mes marches d'escalier. Je peux vérifier donc en copiant toutes mes marches. Ce que je vais faire, je vais vérifier et numéroter mes marches d'escalier. Donc 6, X, je viens chercher ce point, X, je viens chercher ce point avec le clic gauche, X, ce point avec un clic gauche, X, ce point, je copie, ni plus ni moins, mes marches d'escalier. Il faut absolument que j'ai 15 marches pour 16 hauteurs. 1, donc je compte les hauteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, celle-ci je la compte pas parce qu'elle compte pas, 12, 13, 14, 15, 16 hauteurs. On vérifie, T, c'est 1. Donc là, je vais enlever l'italique, je vais mettre gras, je vais mettre en 4. Donc 1, 6, X. Alors je vais copier d'abord mon texte. X, hop. Et hop là. Tac, 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 tac. Avec des clics du mieux, je viens copier mon texte. Et je n'ai plus qu'à, en cliquant deux fois dessus sur le texte, rentrer dans le texte et changer le numéro des marches. Ça, je veux le voir sur vos dessins papier, pour ceux qui font en papier, vous numérotez bien correctement
vos marches d'escalier. C'est important. Hop. 13, 14. Donc si on traçait une épure d'escalier, si on traçait une épure d'escalier, vous auriez exactement la vraie dimension des marges d'escalier qui serait dessinée là comme ceci. Alors, voilà pour le nombre d'escaliers, les numéros d'escalier.